Nous sommes en live. Je vérifie quelques paramètres. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon. Alors juste, je vais devoir modifier un peu la minia. Donc ça va durer 2 secondes. On va faire une petite... Hop. Ça va durer 2 secondes, ça va être rapide. Toc. J'ai pas un layout qui traîne. Non, va falloir que je les refasse tous en fait. Ça va être un peu long. Dans ce cas-là, je pense que je vais prendre un layout de base. Parce que Matchock, je l'ai plus. Bah, au pire, je verrai au niveau du montage, c'est pas grave. Je vais pas retarder le stream pour ça. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live pour Pokémon Ruby Nuzlocke. Alors, petit récap de ce que j'ai fait hors live. Et ma manette ne marche plus. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, outils, paramètres. Non, je dois y avoir changé les inputs, je pense. Alors, je m'y attendais pas. À mon avis, j'ai dû changer les... Ouais, c'est ça. Émulation. Je sais plus c'est dans quoi. Rembobiner. Ah tiens, je pouvais rembobiner, je sais pas. Audio, non, non, non. Ça va être un peu embêtant si je peux que me déplacer en fait. Genre déjà, attends, je vais regarder. Input MGBA. Tools, setting, outils, paramètres, contrôleur, voilà. Donc pourquoi ça a été changé? Haut, gauche, bas, droite, A, ça, B, select. Start. Tac tac. Et là c'est bon. Appliquer. Ok. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me perturbe un peu. Je vais changer tout de suite. Contrôleur A, B. Voilà. Donc, nous avons Sans yeux qui a évolué en Oceralto pendant que je l'ai XP. Donc, il a donc maintenant Cruel, Onde Folie, Morsure et Étonnement. Donc, Onde Folie, c'est bien parce que du coup, j'ai pu changer. Je sais plus comment elle s'appelle la capacité, mais c'est une capacité qu'il avait déjà de base. Je pense que c'est Ultrason. Et qui, elle, touche pas forcément. Tandis que elle touche pas forcément, donc c'est bien. Le bug. Bref, pourquoi? Que fais-tu? Bref, après nous avons Avaltou, donc pas y a pas changé grand chose. Nous avons Roselia, donc juste évolué, pas grand chose pareil. Alors Camerupt, ça c'était mon Marshmallow, je pense. Non, Chamallow. Voilà.
qui a maintenant ampleur, éboulement, flammèche et éclatroc. D'ailleurs, j'ai même pas regardé. Empêche gel, ça, ça peut être bien. Alors, on a Sablero qui était en sablette, donc c'est le Corona qu'on va rentrer. Donc il y a tranche, dard, venin, météore et jet de sable. Donc je le rappelle, hein, bien sûr. C'est vrai que. C'est bon, en fait, tout va bien. Ça me paraît correct. Ben, on va pouvoir du coup aller. Faire l'arène à Clémentiville. Bon, je me souviens plus si je sauvais mes Pokémon. Au pire, je le ferai en route. Hop, donc par contre, on va passer par Lavandia. Je confonds toujours Lavandia et Lavanville. Pas du tout les mêmes villes. Hein. D'ailleurs, je ferai bien la quête de Voltaire après. Je sais plus c'est quand. Je pensais. Parce qu'on a un truc sympa. Parce que là, on va pouvoir avoir surf. On va pouvoir commencer à aller faire de longues routes jusqu'à la prochaine arène. Mais on va prendre nos précautions parce qu'en vrai, elle est super longue cette route. D'ailleurs, dans mes souvenirs, je l'ai fait de manière plus longue que la route victoire. La route victoire, en vrai, si t'as la solution, ça va. Mais là, même si t'as pas la solution, tu dois à chaque fois revenir en arrière, etc. Enfin, je trouve qu'il était déjà hyper long. Ouais. Bien sûr, j'en rencontre quelques Pokémon, mais bon. S'en fout un peu. Allez, je vais juste soigner mes Pokémon, ensuite je vais choisir le premier Pokémon qui va attaquer, je vais regarder si j'ai pas des objets pour eux, je vais regarder pour aussi acheter les super potions parce que c'est super important. Bonjour, bienvenue sur Pokémon, vous pensez un Pokémon, vous voulez vous soigner? Oui. Alors je vais pas prendre trop de super potions quand même, hein, parce que oui c'est bien mais ça va bientôt plus nous servir. Et en plus, après on va devoir acheter des Pokéballs. Mais bon. Acheter. Super potion. Je l'achèterai bien une petite vingtaine. Voilà, je dis pas trop, mais bon, en vrai. Voilà. Je reste prévenant. Parce que Voltaire, on utilise quand même pas mal de potions. C'est pareil pour le badge Flamme. En chaleur. Hop. Alors, j'hésite encore qui je vais mettre en première position. Parce qu'en fait, je sais pas quel premier Pokémon il y a à mettre. Ça bug comme ça là. Parce que là mon. C'est le début du stream. Enfin je. Vraiment un mauvais émulateur. Bon je peux pas changer. Alors, au niveau de sans yeux, il pourrait faire ultra son. Ou onde folie, pardon. Ce qui rendrait confus l'ennemi, ce qui est pas mal. Aval tout à bâillement. Mais ça mettrait un tour à se faire. Là on a Vampigraine, ce qui est pas mal pour le Monaflevit. Ampleur qui serait très puissant. Et puis là, on n'a pas grand chose. Hein. Mais bon, je l'ai pris parce qu'il faut le prendre. Je pense que je vais commencer par sans yeux. Ouais. Alors, tu as obtenu 4 badges. Très bien. Comme promis, nous allons faire un combat de Pokémon. MRT. Je suis si ravi de pouvoir affronter mon enfant. Propre enfant, pardon. Mais un combat reste un combat.
Je ferai tout en pouvoir de champion pour gagner. MRT, il va falloir donner le meilleur de toi. Mona Flemit. Alors. Onde folie. Se blesse. Yes. Maintenant, je vais essayer de lui faire la trouille. C'est morsure, ouais. Mona Flemit paraît. Ah oui, c'est vrai. Ah, il a trouille. Non. Mona Flemit utilise façade. Je connais pas façade. Ça fait extrêmement de dégâts. Potion, j'en ai une. Non, je vais pas utiliser. Min max. Super potion. Voilà. On a fini de paresse. Voilà, c'est bon. Morsure. On a fini de confus. Vas-y, baisse-toi. Putain. Ça devrait le faire rien qu'avec son yeux pour l'instant. Parce qu'en vrai, la confusion, c'est pratique. Hyper potion. Ah. La trouille. Yes, voilà. Encore. Ok, c'est bon. Et confus, vas-y, blesse-toi. Ah, c'est bon. Ah non! J'ai oublié. Il n'est plus confus. Six façades. On va faire super potion. Voilà. Paresse. Ok, donc on va faire un petit cruel. C'est normalement je suis plus rapide, donc c'est pour ça. C'est... J'ai bien fait de prendre sans yeux parce qu'il est plus rapide. Sans yeux a gagné 1260. Vigorote. Ça va, devrait aller. On folie. Allez, je tente. S'il me refait un coup critique comme ça, je pense que je meurs. Vas-y. Blesse-toi. Voilà. Voilà. Vigorote ennemi est confus. Blesse-toi. Ah, il a utilisé une super potion, tu vas voir. On de folie. Je sens le coup risque venir, du coup je me suis soigné.
cette morsure, comme ça il y aura peut-être la trouille. Ouf, très bien. N'est plus confus. Putain, chier. Allez, morsure. Voilà. On va continuer. Non, on continue, pardon. Je me suis trompé. Ouais. Non, on continue, c'est pas... Oui, on continue, c'est... Non, on va continuer. Allez, on folie. Yes. On va tirer la super potion au cas où si j'ai un coup critique. La fémite paresse. C'est bon. Morsure. C'est bon. J'ai de la chance. Et la trouille. Ah, maintenant je suis con, il paraît. C'est la fin. Son jeu a gagné 1395 d'XP. Eh bah punaise, c'était dur. Hein. Vous avez battu champion Norman. Je ne peux pas le croire. MRT. J'ai perdu contre MRT. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Voilà pour toi. MRT remporte 3100 Poké de l'art. Ah, j'ai même pas été chercher le badge. C'est quoi, je vais chercher. Badge balancier. Enregistre du macro. Badge balancier. Hop. Image. Badge balancier. Parcourir. Image. Voilà, on va dire que c'est bon. Bon. Avec ce badge, la défense de tous les Pokémon va augmenter. Tout Pokémon connaît la CS Surf. Connaissant la CS Surf, je ne sais plus lire. La CS Surf pourra se déplacer sur l'eau. Je te l'offre. Bien sûr que tu en feras bon usage. Donc là, c'est tous mes Pokémon jusqu'au niveau 40 ou 60, je pense. Contient la façade. Elle double la puissance des capacités si un Pokémon est empoisonné, paralysé ou brûlé. Elle permet de retourner une situation difficile à son avantage. En tant que champion, je ne peux exprimer mon désarroi. En tant que père, ça me rend à la fois heureux, un peu triste, étrange. Oh, oui. Les parents de Timmy sont passés. Ils ont dit qu'ils voulaient te donner quelque chose à MRT. C'est tout? MRT, tu devrais rendre visite à ta mère le plus souvent possible. Je reste ici et je redoublerai des entraînements. Agresseur, bah, on va profiter pour rendre visite à la mer. Je sais pas si ça va me donner un objet. C'est quand même un objet. Hein. Je ne sais pas. Possible. Là, je veux me dire, hey, ça servira à rien. Mais en tout cas, je dois aller voir les parents de Timmy. Ils vont me donner quelque chose. Hop. Bon, je vais un peu à la YOLO. Normalement, je me soigne. Mais là, j'en ai rien à faire. Que je me dis c'est bon, de quoi est-ce que j'ai peur? Un Zigzaton niveau 2. Hop, est-ce qu'elle va me donner quelque chose? Vas-y. C'est manuel d'instruction des chauffeurs ce soir, hein, je m'en fous. Ok, ah,
Oh, papa t'a donné un badge, dans ce cas je vais te donner ça. Pièce rune. Oh, trop bien. Non, si c'est bien. Ah, oh, putain. Ne t'épuise pas, mon chou. Tu peux revenir à la maison quand tu veux. Bon courage, mon poussin. C'est bien ça. J'ai bien fait de venir chez ma mère là. Bien, je vais l'équiper tout de suite. Toi, objet donné. Double l'argent gagné si le porteur bat aussi. C'est puissant! Alors, il y a une attaque comme ça de Miaou, je sais plus comment ça s'appelle, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc pour gagner du fric sur les Pokémon, n'importe lequel. Et du coup, c'est pété en vrai. Parce que si tu perds 10 000 fois contre un champion, par exemple, bah tu. Ton argent baisse très vite, quoi. Oui. Merci. Normalement, il est pas là, hein, Pico. C'est pour ça que je peux pas aller chez lui, en fait. En fait, je l'ai laissé à pauvre sel, du coup, ben, il peut pas revenir. Et voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir faire la quête de Lavandia. Oh, MRT, tu sembles avoir beaucoup d'entrain. C'est une bonne chose. Bon, j'ai pris une décision. J'ai une faveur à te demander, MRT. Lavandia comprend une partie souterraine appelée New Lavandia. J'aimerais que tu t'y rendes et que tu éteignes le générateur. Le générateur fonctionne un peu bizarrement. Ça devient dangereux. Tiens, voilà la clé pour pouvoir entrer dans le New Lavandia. Je sais même pas où c'est Lavandia. Jamais testé, t'inquiète pas pour ça, ce sera trop pas trop dur pour toi. Pour arriver à Nulavandia, un peu de surf au bout de la route 110, etc. Alors tu as ma confiance, waouh! Je vais juste soigner mes pokés. Ah oui, il faut que j'apprenne surf à quelqu'un du coup. Mais là, j'en ai aucun qui sait faire surf, je dirais, non?
Je l'ai où, Massas? Bah, Loopsurf. J'ai pas chopé Surf. Bah, est-ce que ça devrait être... Ah! Chez les parents de Timmy! Mais oui, mais quel idiot! J'ai oublié. J'ai oublié d'aller chez les parents de Timmy. Ça va, c'est juste à côté. C'est pas comme si... J'étais déjà parti, de toute façon, je pouvais pas partir. Ah, ne t'inquiète pas pour Timmy, tu seras bien pour lui. En plus, non, c'est toi. Timmy est parti, sur le proche. Non, c'est toi. Ah, si quelque chose arrive à Timmy, je pourrais plus regarder ses parents en face. Non, bah ils sont où ses parents? Bah alors... Je sais pas, ils me disent rien là en fait. Je vais regarder sur Pokébip. Mais bah dis donc. Pokébip, CS, Surf. Sur Pokémon, Ruby, Saphir. Pas la solution, j'aurais juste où c'est Surf Clémentiville, donné par le père de Timmy. Clémentiville. Bon, écoute, j'ai la flemme de refaire le tour. Donc on va passer par Port Russell. Je sais pas si c'est plus long, mais elle... genre flemme, tu vois. Moi, je pourrais prendre la piste cyclable. Mais putain... Bah, il est où? Il est pas là? Il y a plus de Monsieur Marco? Apparemment, on est obligé de passer par. Mais non, mais ta mère! Putain, fais chier. On est obligé de passer par là.
Oh putain, c'est long. On va devoir refaire l'aller-retour après. Ah non, c'est bon, c'est là. Je sais pas, ça devrait être où? Je cherche une pancarte. C'est bon, ça devrait être là. Voilà. J'avais meurté notre Timmy, mais alors c'est lui qui a raison, c'est grâce à nous du levons. Quand Timmy a quitté la ville, tu l'as aidé à trouver un Pokémon, pas vrai, je pense que ça l'a rendu très heureux. En fait, il n'y a pas que lui, moi aussi son père était très heureux. Quelle chance pour lui, comme camarade, quelqu'un aussi rien que toi. Ce n'est pas pour te flatter, mais j'aimerais que tu acceptes ça. C'est surf, putain. Voilà, c'est mon Dieu. Quand j'aurai vol, ce sera pratique pour éviter tous ces allers-retours. Allez, surf, utilisez. Oui, personne ne peut. Donc je vais être obligé pour l'instant de prendre un Pokémon et puis à la route 110, je vais switcher. Je pense que. Que je réfléchis quel Pokémon dans mes morts pourrait le faire. Pour l'instant, je vais prendre un Pokémon mort, sinon je peux pas avancer. Donc Léviator, il peut le faire. Hop. Putain, Léviator qui a un excellent niveau, qui aurait pu continuer dans l'équipe. Mais que je vais retirer une fois que j'aurai récupéré un Tentacool, un truc dans le genre. De toute façon, je peux pas avoir de Magikarp. Hein. Pokémon. Non, ça, je peux pas faire vol. Trop beau pour être vrai. Je peux plus avoir une hirondelle non plus, donc Nopsirati reste ma seule issue pour faire vol. Sinon après je serai obligé de faire des allers-retours. Au moins passer à chaque fois par le PC, prendre un Pokémon, leur mettre un Pokémon. Enfin, ce serait le bazar. Ah putain, je connais pas le chemin par cœur. En fait, c'est les dresseurs que je connais pas surtout, en fait. Je sais pas où ils sont placés. Ce qui ne m'aide pas. Mais non, c'est bon. Je crois que je m'avais laissé la ceinture, mais non, ça, t'inquiète. Je deviens fou. Non, stop. J'aimerais être tranquille. Je vais passer repousse, hein. Flemme. Allez. Ok. Alors, Pokémon. Sac. Surf, utiliser. Oui, je vais l'apprendre à Globule. Qui servira 2 minutes. Mais quelle capacité, peu importe laquelle, on s'en fout. De toute façon, il est déjà mort. Voilà. Allez, maintenant je vais chercher. Route combien ça dit?
Route 118, je sais pas si j'ai un Pokémon pour la route 118. Je vais vérifier au niveau du Pokénav. Doen. Route 118. Je peux pas avoir capturé de Pokémon là. Non, non. Je pense pas que j'en ai capturé la route 118. Je vais vérifier. Parce que j'ai raté qu'une seule route. Hop, déplacer. Alors, parmi mes morts, Rhythm. Alors, Grotte Granit, non. Bois Clémentine, non. Route 103, route 104, route 101, route 116, route 114, Chemin Ardent, Sentier Signe Rock. Non. Et là, j'ai personne, on devrait être là. Non. D'ailleurs. Alors, résume. Site météore, route 117, route 112, route 111, route 110, route 107. Donc non, c'est bon, je n'ai attrapé aucun Pokémon. À la route 118. Donc je vais peut-être aller chercher des Super Balls. Ou hyper, je sais plus ça quoi au niveau de l'aventure. Acheter Super Bowl. Combien? On va dire 10. Normalement, j'ai pas de Honor Ball. Mais bon, voilà. C'est par habitude que j'achète tout le temps par paire de 10. Je sais pas pourquoi. Voilà, on va pouvoir faire le Pokémon de zone. Dans lequel on va mettre. Mei en début. Allez, c'est parti. Allez, il y a bien un Pokémon là. Voilà. Magikarp, je peux pas. Golis. Golis vole, donc ça ne m'aide pas. Mais oui. Méga ça pas avantagé, donc on va faire un parasport. Réfléchissons, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais pas mettre. Je vais faire un vampigraine. Voilà, comme ça, ça va le drainer et en même temps, je vais pouvoir l'attaquer. Bon, on va commencer avec des Pokéballs. Hop, parce que sinon c'est bon. Hein. Voilà. Eh bien, c'est un homme, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que je vais l'appeler quand même Moumou. Oui. Moumou. Voilà. Une mouette. Voilà. Elle est envoyée au PC. Bon, je sais pas quelle boîte, mais normalement, Moumou devrait pas être envoyé sur la bonne boîte. Par contre, je suis obligé d'être avec l'aviateur là. Donc, du coup, j'ai un Pokémon en moi. Yes, Sam. On va essayer d'esquiver un peu les dresseurs. Pour pouvoir revenir plus tard. Mais plus équipé. Ah, tiens. Salut, c'est toi le dresseur que j'ai rencontré au village Myokara. Ben oui, c'est moi, c'est Mr. Tiger, abonne-toi à ma chaîne. Ah oui, tu es Mr. Tiger. Je me suis toujours pas abonné. Mr. Tiger, dans ce vaste monde, il y a de nombreuses sortes de youtubeurs Pokémon. Ils se subdivisent en différents types.
Il y a les vlogueurs, il y a les... Est-ce que tu fais les sponsors? Ou bien tu n'as toujours pas assez d'abonnés? Qu'en penses-tu en tant que youtubeur? Désolé, je n'ai pas à te demander ça. Pas vrai? Ah non, je ne modifie pas mes vidéos. C'est bon, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ok, donc là c'est la même route, hein. Donc j'ai fait l'erreur de prendre un je sais pas quoi d'ailleurs. Ok, route 119. Bah pareil, même tactique. Par rapport. Pardon, faire gaffe là. Voilà, je m'en souviens. On repassera ici, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est parti. Mystère, bah, je ne l'ai pas. Mais go. On va commencer par un parasport. Voilà. Mystère sauvage est paralysé, ne peut plus attaquer. C'est merveilleux. Oui, je sais plus s'il est type plante ou s'il est type quoi, je sais pas quoi. Ça n'affecte pas Mystère, donc il doit être de type poison, je dirais. Pourotoxique, ouais. On bat Darvenin. Ouais. Pour Dodo. Oh putain. S'endort. On va changer. Et on va mettre. Allez. On va mettre Erasmus. Mais non, mais sérieux? Il a tout. Ça va être compliqué. Entre. Bon, là, je suis obligé de changer parce que sinon je vais le perdre en plus, Erasmus. Hermione qui va encaisser les dégâts. J'espère qu'il va faire autre chose. Ça va être chiant! Allez. Bon, lui il va encaisser les dégâts, mais du coup on va faire des super bols. Mystère est attrapé. Ok, les données de Mystère sont très au Pokédex. Pokémon Racine. Donnez un surnom à Mystère capturé. Oui, je vais l'appeler. Je sais pas comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Petit con. Petit con parce que j'ai failli crever à cause de petit con. La petite conne. Petit con. S'en fout, petit con, petit conne. Petit con! Petite conne. Voilà, parce que je fallait crever. Petite conne a été embrouillée. C'est. J'aurai des problèmes. Merde, c'est vrai, je suis empoisonné. Hop. Je vais avoir un antidote qui traîne. Antidote. Oh putain. Allez, sans yeux, go. Je croyais qu'on pouvait faire un vol en attrapant toute une volée de Pokémon oiseaux en le sacrant un jeu, mais il s'avère qu'il existe une capacité, c'est ça s'appelait vol. J'aurais voulu le savoir plus tôt.
Hop. What the fuck? J'ai entendu parler d'une grotte appelée Grotte Origine. Les gens racontent que les esprits des Pokémon y sont ranimés. C'est possible une chose pareille? Alors, elle fait une fixette sur les. Les goélis, ça. Ok. Ne bug pas, s'il te plaît. Moi, j'ai envie de passer les dresseurs pour les faire plus tard, soit hors live, soit en live, je sais pas. Mais genre, pour l'instant, j'ai pas envie de les faire. Trouve hyper potion. Ouais, je suis obligé de le faire celui-là. Quand on ne se méfie pas, on prend le risque de souffrir. Il y en a qui tu peux pas passer. Ouais. On va peut-être avoir des Pokémon de type roche. Non, Ringale. Sans yeux. Morsure. Très bien. Next. Hop, Smogo est envoyé. Vas-y. Ninjaska. Non. Morsure. Il résiste, refait. Donc l'esquive augmente. Attaque spéciale. Ah non, ça c'est le. La capacité. Le. Compétent, je sais plus comment ça s'appelle. Taillade. Ça va. Voilà. Terminé. Ah, il y a un event, je m'en souviens plus. Alors, centre météo. C'est très ennuyeux de surveiller. Et toi, ne t'approche pas trop près du centre météo, s'il te plaît. Nous, on s'en va ici. Et toi, parce que centre météo, c'est un jour. Il se fait la même chose, donc je suppose. Est-ce que si je rentre les centres météo? Parce que normalement je le morphéo, je ne peux pas l'avoir si. Ouais. Ah, qu'est-ce que ce môme fait ici? Par contre là je suis obligé de les faire, tu vois. Si je les fais pas, bah j'ai des dresseurs qui sont perdus. Et c'est très con. Lancé par Spearmama. Ok. Alors je vais peut-être changer. J'ai pas de Pokémon type eau donc je vais peut-être garder. Non mais juste, si je vais changer, pour une raison très simple, j'ai pas le sommeil. À côté, je peux me soigner. J'envoie Corona. Allez, vas-y Corona. Corona va pouvoir faire une attaque type sol, ce qui est mieux que de rien faire. En fait non, je peux pas. Donc on va faire tranche, mais au moins s'il me fait attaque type feu. Voilà, c'est bien. Sans yeux à gagner. Hein. Corona a gagné machin. Allez. Vous avez battu Spearmama. Ah, j'ai déjà perdu. Donc là, il y a un lit, je vais m'en poser. Ah bah, on regarde, regarde.
Ici, je peux retourner au PC. C'est la net. Ce sont des Pokémon en ligne. Déplacer Pokémon. Et là, je vais peut-être récupérer Goélis et je vais lui mettre à la place de Léviator. Léviator que je récupère plus tard. Hop. Juste Goélis, je vais lui mettre une multi-expérience. Je vais le faire à partir de là. Alors. Non, je peux pas le faire d'ici. Alors, Moumou. Mais le bug. En fait, ça a bugué. Voilà, encore une fois. Il est vraiment nul le simulateur. Je vais changer. Hein. Franchement, je vais changer. C'est juste que je ne peux pas changer d'émulateur pour la save. Alors, multi-expérience. Voilà. Et on va dormir. Il y a un lit, je vais m'en poser. Voilà. Donc là, j'ai vraiment tout fait faire. Hein. Parce que sinon, c'est des dresseurs perdus et c'est con, quoi. Les chefs s'intéressent aux recherches qu'ils font ici. C'est pour qu'ils nous envoient. Occupe-toi de tes oignons. Ok. Je sais plus lire. Hein. Lancé par Spire Magma. Non, c'est l'archer. Ah, elle est confuse. Elle va me faire la même chose, tu vas voir, ça va être marrant. Il se blesse, yes. Et maintenant, je vais essayer de lui faire la trouille. Oh! Bah, dis donc. Il n'y avait aucune défense. Là, je vais changer, ouais. C'est pas très efficace, alors je vais avoir des attaques type feu donc non. Corona, pareil. Corona, la tête du type feu, il s'encaisse très bien. On va dire. Tranche toujours. Voilà. Quelle humiliation de se faire battre par un gosse, ça. Ça va. En tout ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir à chaque fois retourner me soigner. C'est bien. Le centre météo a créé un type de Pokémon basé sur le climat. Nous sommes là pour le voler. Alors c'est Morpheo, oui je m'en rappelle, mais est-ce que le centre météo on le considère comme un comme une zone? Pour moi le désert oui, mais du coup le centre météo aussi, je sais pas. On verra bien. Le désert oui, parce que clairement c'est pas le même environnement. Le centre météo c'est un bâtiment, je sais pas. Je sais pas. Pourquoi j'ai changé? En fait, je vais mettre Corona en première position, ça va être plus simple. Moumou a gagné. Chamallow. Oui, je vais remettre Corona, parce que Corona, lui, encaisse l'attaque type feu. Seulement, il lui faut une attaque type sol. Hein. Ça va me dire autant que. Comment il s'appelle l'autre. Je l'ai appelé, c'est Camerupt que j'ai appelé. Ah, notre plan a échoué à cause d'un mioche. Autant que. Erasmus, c'est vrai. Bon, je vais peut-être mettre Erasmus. Et je vais prendre l'objet pièce rune et je vais le mettre à lui. Objet. Donner. Pièce rune. Devenir pièce rune, voilà. Salut. Nous sommes la team Amano. Sur les champs, dès qu'il y a quelque chose de rare se produit.
Alors les femmes à barbe, ça n'arrive pas souvent. Je vais avoir un problème un jour. Je buvais vite parce que mon thé était tiède. Flamèche. Allez, brûle. Ok. On a quand même 10 niveaux d'écart, hein, je veux pas dire. Bon, bah, connaissance, machin. Chamallow. Non, tranquille, on va faire une petite ampleur. Ampleur 6, c'est la merde. Bon. Observati a gagné. Alors, Observati, j'ai ton broche, donc c'est bon. Enfin, éboulement. Voilà. Ok, 150. T'as battu Spiriting Mama. Tu m'as eu. Sachant que je n'ai pas fait les dresseurs avant, quand même. Cette partie, c'est pas la plus dure. Hein. Ouais. Ah 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 ah! Tu veux te mêler aux affaires de la team Magma? Soit tu es intrépide, soit tu es complètement stupide, ou les deux. Tu es tellement chou, c'est dégoûtant. Je vais t'apprendre la fille sale mioche. Alors c'est marrant, mais sur son chara-design, tu vois, quand tu la vois sur la map, bah déjà c'est le même chara-design que n'importe quelle fille de la team Magma, alors que bon, c'est un personnage important, et enfin, c'est un personnage important. Si, c'est un personnage important, en soi, c'est un personnage qui a... Bah, il changera l'histoire, mais genre, comment dire... Il a son importance dans l'organisation de la Team Magma, étant donné que c'est un dirigeant. Enfin, elle a un personnage. Non, c'est bon. Voulez-vous changer de Pokémon? Non, toujours pas. Granilla. L'attaque. De toute façon, je fais du spé moi, donc bon. Rantardise, ça c'est pour augmenter l'attaque. Non, attaque c'est tout. Ah, ça rend confus. Attaque, ça rend confus. Ouais, je me rappelle parce que c'était sur Pokémon noir et blanc. Je découvre Rantardise avec Croc Horrible. Donc, comme ça. Ah, vas-y, Flamèche. Allez! Brûle! Ça va. Ça a été, c'était tranquille, franchement. Pas très dur cette partie. Faut dire, le level, il est pas ouf hein, ici. Hein. Elle met une magma courte, nez. Ah ah ah! Tu es tellement balèze, c'est dégoûtant! Nous avons été infiltrés sans nous y attendre. Nous n'avons plus le choix, il faut partir. Mais tu entendras encore parler de la team Magma en notre plan, n'oublie jamais ça. Merci mille fois, grâce à toi, nous sommes sauvés. C'est peut-être un peu drôle la façon de te remercier, mais prends ce Pokémon. Hein, tu n'as pas assez de place pour ce Pokémon? Bon, ça va aller vite. Et on peut faire ça, non? Non, ils me laissent pas parler aux deux autres. Je pense qu'ils ont pas prévu de dialogue pour eux, en fait. Du coup, tu peux pas passer. Ils sont là pour le décor, en fait. Pour dire, il y a d'autres scientifiques dessus. On
va remettre Goélis et on va aller chercher le Morpheo. On va regarder d'où il vient. Je vais faire une petite pause. Et on arrête à 30 hein, parce que je suis malade. Voilà, ça tout. Je suis malade et puis j'ai des choses à faire en plus. C'est pour ça d'ailleurs que là je vais faire une petite pause. D'ailleurs, j'ai toujours pas préparé le truc pour dire je reviens tout de suite. On en a plusieurs au centre météo, vas-y prends-le. Ok, alors ce Pokémon Morpheo. Déjà, il y a un objet exposé. Bah, résume. Route 119, donc je pense pas que je pourrais l'avoir. Au pire, je demanderai, je ferai un trop poll sur la vidéo. Est-ce que vous pensez que Morpheo, je peux le garder? Voilà. Alors, change selon climat. Bah, en plus, c'est un Pokémon en plus, donc c'est bien. Et puis, je sais pas si... J'ai pas regardé, c'était quoi l'objet qu'il a? Au mystique, c'est pour augmenter l'attaque type O, je pense. Bon, je fais une petite pause. Je vais juste préparer rapidement le truc pour dire que je reviens tout de suite. Hop, on va faire ça. Par contre, c'est trop grand. Pourquoi il me fait ça? D'ailleurs, c'est... Alors, bientôt, hop, voilà. Une scène que j'appelais pause live. Alors, je vais aller chercher une image, l'image pause. Voilà. À tout de suite.
Et voilà. Bon. Je pense qu'on va... Ouf, ça va être compliqué. La fin du live va être compliquée, mais ça va, il me reste 25 minutes. Et je pense que je tiendrai pas une minute de plus. Ah là là. Va être compliqué. Je vais peut-être remettre le Goélis. Parce que le Goélis, au moins, je suis sûr que je peux le garder. Hop. Et mystère, je l'XP aussi, mais genre... Oh! Flora, où étais-tu? Je te... MRT, je sais où étais-tu. Tu as progressé, laisse-moi faire. Tu es prêt tes Pokémon toi, évidemment. Allez, c'est parti! Je n'ai pas soigné mes Pokémon. Je n'ai pas soigné. Je n'ai pas soigné mes Poké. Je les ai pas soignés. Du coup, je vais galérer. Alors, échanger. J'en profitais pour soigner. Ouais, lui, on utilise Uraquois. Ça rend confus, ça. Hein. J'aurais peut-être dû utiliser une potion normale, mais bon, pas. Alors. Méga sangsue. C'est bon. Galif, on n'a pas de Pokémon type eau, mais on va au moins mettre un Pokémon qui fait beaucoup de dégâts. Vas-y, Hermione. Se gonflette. Ça va. Attaque augmente. Défense aussi, mais moi je suis en train de faire la défense P, donc je m'en fous. C'est bon. Le plaquage. Voilà. Moumou. Balignon. Oui, on va mettre Erasmus. Voilà. Flamèche. C'est bon. Ok, waouh, quelle force, MRT! Moi qui craignais que tu aies décroché avec l'entraînement. Non, t'inquiète pas, j'ai pas décroché. Mais je n'ai pas de soucis à me faire, garde le rythme. Et viens, j'ai un cadeau pour toi. Démon la 16. Voilà! 16 vols. Tu utilises vol, ton Pokémon te portera dans deux villes déjà visitées de ton choix. Et pour utiliser vol, il faut avoir la reine de... le badge de la reine Citronnelle. C'est super important, ne l'oublie pas. Tu devrais utiliser vol pour retourner à chez toi à Bourg-en-Vol. Je parie que ta maman se ferait du souci pour toi. On se reverra, mais putain, ils ont un problème avec ma mère. là, c'est normalement c'est Simtronel. Non, c'est Route 119, Simtronel. Ouais, donc c'est juste à côté. Mais je vais juste soigner mes Pokémon parce que j'ai encore 2-3 combats, je pense, obligatoire. Et puis, de toute façon, en tous les cas, une fois arrivé à Simtronel, ce qu'on fait, c'est qu'on va XP. Non, je suis con. Et encore l'event qui est juste après Simtronel où justement on doit récupérer je sais plus quoi.
Mais bon. Les wagons en ravol, on pourra s'occuper de l'histoire de Glavandiash. Je prendrai des notes et puis prochain live, on s'en occupe. Voilà. C'est dit. Attention, combat. Ah non. En choc, j'étais en mode. Exaucé. Ok. Donc. Merde, je suis raté. Tu sens le brûler. Tu étais un volcan, quelque chose comme ça. Sympa. Et ta mère. Pourquoi ai-je parasol? Si je te le dis, tu réussis à me battre. Je le dis, tu réussis à me battre. Allez, combat lancé par sort parasol. Poissy, poissy, ray. Rasmus. Alors, je suis totalement déséquilibré. Je vais changer. Mei. Vas-y. Ça suffit, Erasmus. Reviens. Alors, Erasmus a gagné 171. Ou moi, gagné 343. Niveau 20. Wilmer. Le bon champ est non. Wilmer. Vas-y. Et c'est terminé. C'est une victoire. C'est merveilleux. Au revoir. Voilà. En vrai, ce cas, c'est que je les ai tous bien XP, donc... Franchement, je galère pas du tout. Un parasol ne devrait pas éviter les attaques de Pokémon. Donc alors, pourquoi tu prends un parasol? Je ne pense pas que la lumière intense soit bénéfique à mes Pokémon, alors je les protège avec mon parasol. Bah, c'est du Pokémon type eau. Oh, il y a un dresseur. Une nouvelle herbe ou pas? En fait, c'est quoi? Je vais en profiter. De toute façon, c'est un mystère, donc. Nous sommes actuellement à la route 120. De toute façon, mystère, je l'ai déjà vu. Linéon! J'avais un Zigzaton, mais je l'ai pas évolué, donc Linéon, je l'ai le droit. Voilà, c'est bon. Alors, je n'ai pas le bon Pokémon. On va changer. Normalement, il va utiliser coup de boule, je pense, truc comme ça. Au 25. J'ai de sable. Ouais. Alors, par contre, Linon, je pense qu'il faut avoir une capacité du type surf. Là. Du coup, je vais le prendre. Parasport. Mais s'il te plaît, attends, les Pokémon dans les hautes herbes, ils ont le même niveau que les gens de la team Magma qu'on a eu juste avant. Je pense que vraiment, il y a un problème là. Ouais, à la fin, je pense qu'il y avait un problème d'équilibrage, tu vois. En pigraine. Voilà. What the fuck? On va retest. Super Bowl, vas-y. Donner ce lignon sur l'échelle en Pokédex. Alors, bah oui, bien sûr, le nom est vite choisi. On va me cracher dessus.
Raposa 2. Ok, alors on va skip ça. Voilà. Ah, salut MRT, ça faisait longtemps. Bah non. Il y a quelque chose que tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Si tu dis cet appareil sur cet obstacle invisible. Oh non, plutôt que de t'expliquer, je ferais mieux de te montrer. Ce serait plus sympa. MRT, tes Pokémon sont-ils prêts à combattre? Bah oui. Montre-moi tes véritables pouvoirs de dresseur. Utilise le Devonscope. Un Pokémon invisible devient entièrement visible. Le Pokémon effrayé attaque. Ok. Cléon. Oh, j'aurais pu avoir un Cléon, c'est vrai. En vrai, en pleure. Alors, Ampleur, vas-y, fais-moi un petit Ampleur 9. Ampleur 8. Alors, je me souvenais de l'évêque, mais je me souvenais plus qu'il attaquait, tu vois. Ok, Moumou a gagné, je sais pas combien. Je vois, ta façon de combattre est intrigante. Tes Pokémon ont en effet grandi depuis notre dernière rencontre à Myokara. J'aimerais que tu prennes ce Devonscope. Qui sait, il pourra peut-être avoir un autre Pokémon caché. Alors, normalement, il y en a plein, hein. Allez. MRT, j'aimerais voir des Pokémon et des dresseurs se donner du mal ensemble. Je trouve que tu fais très bien. On s'affrontera ailleurs une prochaine fois. Ah, il y a vol, lui. Voilà, maintenant on peut retourner. Et on va faire un truc très simple. Quelque chose d'invisible bloque la voie. Voulez-vous utiliser le Devonscope? Oui. Un Pokémon invisible se trouve visible. Pokémon effrayé s'enfuit. Voilà. Et maintenant, nous sommes à l'arène. J'aimerais juste voir quels seraient les Pokémon les meilleurs à pour l'arène. À part mon Camerupt qui est génial. Déplacer. Genre Linéon, je sais pas s'il peut être. Je sais. Lui, il a pas vraiment d'attaque. Ouf, tu vois. Mon Pokémon de type plante, ici, je vais l'enlever. Je le mets en réserve. Voilà, Mei. Et je vais forcément prendre soit Morpheo, soit Linéon. Étant donné que Morpheo, je sais pas encore si je peux le prendre, je prends le Linéon. Voilà. Et lui, il monte vite. Et lui, je ferme ça. On va recommencer l'arène. Juste, j'aimerais savoir son niveau combien à l'arène. Arène 6. Solution. Non, j'ai pas. J'aimerais juste savoir le niveau, tu vois, pour pas que j'aille en mode hey. Alors, Altar niveau 33, donc en vrai je pourrais commencer à le faire. Je pourrais, ouais. Écoutez, on va voir, hein. Parce qu'ils sont niveau 35 mes Pokémon.
Voilà. En vrai, je vais plutôt mettre certains Pokémon en réserve. Genre Linéon, il sert à rien, mais après le reste, c'est bon. Après, le reste, c'est en XP, donc en soi, bon. Genre par exemple, comment il s'appelle ce Pokémon-là? Nuceraptif, c'est bon. Ouais, Lignon, de toute façon, je suis très con parce que Lignon, niveau 25, faudrait d'abord que j'XP, mais j'aimerais bien, moi, d'abord faire les dresseurs et ensuite XP. Voilà, c'est ma méthode. J'aime bien travailler comme ça. Genre, c'est un travail, ouais, bien sûr. Alors, vas-y. Regarde l'élégance des Pokémon combat aux oiseaux. Oh, what the fuck. Alors, un combat est lancé par Ornithologue Boris de duo. Alors, ça va aller très vite, hein, franchement, la reine. Et bon, d'ailleurs, je me suis même pas soigné. Je veux dire à quel point je suis trop confiant. C'est bon, niveau 21. Temps d'apprendre brume. Moumou. Non, c'est bon, tu peux garder. C'est quoi brume déjà? Créer une brume stoppant les réductions des capacités. Non, c'est bon. Oui. Boris, c'est bon, tu as une telle puissance. Oui, c'est bon, je sais, c'est vrai. Alors, super potion. Toc, voilà. Alizée m'a tout appris, tu vas avoir du mal à me battre. Par contre, lui est type dragon aussi un peu, non? Alors, c'est que son évolution. C'est bon, ça passe. Peut-être faire le champion aujourd'hui, si on réussit. Bah, j'ai l'air confiant, tu vois. Bon. Je veux me battre. C'est bien, tu peux te battre. Tu as tous tes droits. Cette ligne-là, je m'en rappelle. Cette histoire. Si je m'en rappelle, c'est bon. Il y avait une histoire comme ça où il fallait baisser ça, monter ça et passer là. Voilà. C'est bon. Allez, vas-y, moi. Pas la peine pour Alizée, notre championne, de s'attarder dans ton cas. Je suis assez fort pour toi. Quoi ça déjà? Super efficace, ok. Et d'elle. Non, c'est bon, vas-y.
Eh ben c'est bon. Ah, Lisée, je l'ai perdu. Je pense qu'elle est juste après. Bah, je vais en profiter pour. Ah non, il y a encore un dresseur qui veut m'affronter. Tous les amoureux des Pokémon oiseaux veulent rejoindre cette arène. En tant que membre de l'arène, Ponel, je ne peux pas perdre. Alors, je pense pas. Potion. Elle va me faire une attaque de type eau et on va m'en rigoler. Non, c'est bon. C'est bon. Oh, j'ai eu peur. Hop. Mou. Et les DL. Bah non, c'est bon, je sens qu'elle. Genre encore, il aura un béquipant, pourquoi pas, mais là. Ça fait mal cette attaque, je sais pas ce que c'est. Niveau 36! Niveau 22. Béquipant. Première attaque, on s'en fout. Je vais quand même me soigner. Voilà. Ultrason. Éboulement. Ah putain. Vas-y. Et c'est bon. C'est la fin pour toi et tous tes amis. Voilà. C'était un poids trop lourd à porter pour moi. Donc ouais, dans la rêve. Là. Je sais. Voilà. C'est juste pour sortir. Hein. On va pas la faire aujourd'hui, on va la faire la prochaine fois. De toute façon, comme ça, j'aurai XP tous les Pokémon et au moins j'aurai le résultat du Stropole pour dire. Du Stropole. Du sondage pour dire si je garde Orfeo ou pas. À vous de voir. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ah, moi, je suis un peu crevé. Je suis entre crevé et malade. Les deux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker pour YouTube, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à rejoindre le Discord Guild des Shawaii. C'était Mister Red Tiger et on se retrouve la prochaine fois pour Alizée. Je vais peut-être XP un peu les Pokémon comme j'ai fait là, genre juste XP Moumou et en fait les trois Pokémon, tu vois. Je vais les XP pour qu'ils soient tous niveau 35. Ça me paraît un excellent niveau pour l'arène. En fait, Norman, en vrai, j'ai quand même un peu galéré. Hein. Mais j'ai quand même gagné parce que je le two-shot, tu vois. Enfin, je le two-shot. Je faisais beaucoup de dégâts. Bref, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.